Donc une fois que c'est bon, vous faites ça. Alors le message React, c'est pas obligatoire, mais c'est pour qu'en gros ça fasse ça. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre trop l'espace là. En description, je vous mettrai le lien de ce truc obligatoire pour faire fonctionner bah, justement le package. Parce que sinon ça marche pas. Ça fait une certaine taille, disons que bon voilà, un 1030 c'est pas grand chose. Écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo. Ah bah non. Il va falloir créer un start.bat. Je vous montre, c'est pas très compliqué, vous avez juste à mettre ça. Si vous voulez, je vous le mettrai aussi en téléchargement, mais bon, vous pouvez vous débrouiller. Et donc en description, je vous mettrai le lien pour inviter votre bot sur votre serveur, les permissions d'admin, c'est ça. Sinon, il y a des autres permissions. Par exemple, si vous voulez qu'il ait toutes ces permissions-là, sauf créer des invitations et ne pas voir les salons. Ce sera ça son idée. Sauf que moi, je veux qu'il soit administrateur. Qu'il ait le droit à tout. Donc, dans ce cas-là, ce sera la permission 8. Et vous le mettrez dans. Vous le mettrez dans, par exemple, ici, permission 8. Et là, vous prenez l'idée de votre bot, vous le supprimez, vous le prenez de là, en l'occurrence celui-là, vous faites ça, vous faites entrer, qu'il ait toutes les permissions, c'est ça. Et là, vous choisissez le serveur sur lequel vous voulez qu'il aille. Une fois que c'est bon, ça, je vous le passerai dans la description. Et donc voilà. Écoutez les amis, c'était Extra Geek Style. Je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.